monstre. Non, mais c'est vraiment du muscle, tout ça? Bah, penses-tu, c'est de la gonflée. C'est vrai, dès qu'ils arrêtent de faire leurs exercices, ça retombe. Bon, bah, c'est dommage, alors. Mais qu'est-ce qui t'a pris, toi, d'aller acheter un truc pareil? Ah, bah, écoute, je sais pas, j'ai trouvé ça dans le kiosque, et puis ça m'a plu. T'as même pas eu honte? Bah, pas du tout, c'est un journal très sérieux. Bah, écoute, Claire, elle a raison. C'est un sport comme les autres, le culturisme. Surtout pratiqué par des beaux garçons. Mmh. C'est vrai, il y en a un ou deux pas mal. Tiens, regardez cela. Oh là là. Et vous savez à quoi on ressemble, là? Non, à quoi? Vous savez, ces vieux messieurs libidineux qui regardent toutes les femmes nues dans les doubles pas. Ils sont pas nus. Oui, bah c'est dommage, d'ailleurs. Oh, nus. Bon, écoute, Claire, je suis désolée. Enfin, c'est incomplet comme journal. Et bah, moi, je ne trouve pas. C'est largement suffisant. Oh non, je suis pas d'accord. Oh, celui-là. Ah, Marc. Bonjour. Bonjour. J'espère que je vous dérange pas. Bonjour, Fanny. Ah, bonjour, Marc. Ça va, Gali? Salut, Marc. Ah, Marc. Alors, dites-moi pourquoi vous venez. Du sel, du poivre, du sucre, de l'huile ou du vinaigre, peut-être? Non, du paprika. Oh, du paprika. Oui, je cuisine une tarte au paprika. Je me suis aperçu bêtement que j'avais plus de paprika. Tarte au paprika? Oui, c'est une spécialité de l'Aveyron. C'est délicieux. Bah, je vous ferai goûter si vous voulez. Hein. Enfin, si je trouve du paprika. Oui, bon, je vais aller voir si on en a, mais je crois pas. Vous lisez ça, vous? De temps en temps, ça change. Et vous aimez ça, les hommes musclés? Oh, bah, c'est pas mal, regardez. Bouf. Enfin, faut aimer, hein. Eh oui, et nous, on aime. Ouais. Oh, regardez celui-là, il est pas mal, hein. Mon petit Marc. Mon petit Marc. Des muscles tout ronds et tout gonflés. Ça plaît beaucoup aux jeunes femmes. Ah oui? Mm-hmm. Mon petit Marc, je suis désolée, on n'en a pas. Du paprika? Bon, c'est pas grave, je me débrouillerai sans. Bon, bah, à un de ces jours. Au revoir, bonne tarte. Merci. T'as compris, Gérard? Il me faut absolument des muscles. Quel genre de muscles, Marc? J'en sais rien, moi, le genre virilité sculpturale. Ce que tu veux, c'est des muscles qui se voient, en somme. Voilà, c'est ça. Enfin, tu sais, Marc, pour avoir des muscles, il va falloir que tu t'y mettes véritablement. Bah, je m'en doute. Bon, on commence par quel appareil? Mais Marc, dis-moi pourquoi, comme ça, tout d'un coup, t'as envie de t'y mettre à fond? Parce que c'est dans mon tempérament, hein. Moi, quand je commence une chose, je la fais à fond. Comme ça. Enfin, Marc, jusqu'à présent, enfin, en venant ici, la seule chose que t'es su faire à fond, c'est draguer les filles. Pas du tout. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un véritable encadrement, surtout. Comment ça, pas un véritable encadrement? Mais qu'est-ce que t'insinues? Que je fais mal mon travail, peut-être? Mais à chaque fois que tu donnes un exercice, tu te mets à râler, alors forcément, moi, j'ai laissé tomber. Je vais pas me battre si je veux pas faire d'efforts. Après tout, le client est roi. Bon, bah maintenant, j'ai envie de faire des efforts. Alors, je fais quoi? Alors, écoute, Marc, c'est simple, hein. Si je prends la responsabilité de tes muscles, c'est moi le patron. Bah, d'accord. Puis tu m'obéis. Ah oui. Puis tu ne râles plus. Et puis tu viens pas te plaindre que t'as des courbatures ou que t'es fatigué. Oui, oui, et oui. Alors, je fais quoi? Bon, pour l'instant, tu bouges pas. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu veux, je réfléchis, hein? Si tu crois que c'est facile de redonner vie à un petit corps comme ça, tout mou comme le tien. C'est si grave que ça? Oh, ben, mon pauvre. Aïe. Non, je vois qu'une chose, moi. Une petite séance de footing pour commencer. Sur le tapis roulant? Ah non, moi je déteste ça. Et en plus, c'est dangereux. Rappelle-toi l'autre fois, il s'est arrêté brusquement, la fille est dans le mur. Marc, tu as dit que tu ne râlerais plus. Alors, le tapis roulant, c'est excellent pour travailler l'endurance. Ah oh bah oui. Oui, oui. Tu vas me faire 3 petits kilomètres en petite foulée. 3 kilomètres? Ah, ça fait beaucoup. Non, non, Marc, je t'ai dit 3 kilomètres, alors on y va. Non, mais 3 kilomètres. On y va, c'est tout. Non, ce n'est pas beaucoup. Gérard! 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 Madame Bellefeuille, vous m'avez appelé. Oui, mon petit Gérard. Dites-moi. Oui. Ça va comme ça? Mais c'est parfait, ça, Madame Bellefeuille, c'est parfait. Ah bon? Non, parce que j'ai un ami qui trouve qu'il n'y a pas beaucoup de résultats. Il dit que votre salle est pas terrible. Comment ça, pas terrible? Ah ben oui, c'est vrai, hein. Depuis le temps que je viens ici, faut bien admettre que les résultats sont pas spectaculaires. Ben évidemment, c'est facile de critiquer. Et vous voulez des résultats? Je vais vous en donner, moi, des résultats, vous allez voir. Ça va pas tarder. C'est vrai? Oh, mon petit Gérard!
Vous allez me promettre de faire ce que je vous dis. Oui, Gérard. Bon, alors vous me posez ce hochet. Et vous me suivez au vélo. Force 7. Pendant une demi-heure, c'est parti. Mais du vélo, j'aime pas ça. Ça me fait mal aux fesses. Mais je veux pas le savoir, moi. Sur le vélo, c'est parti. Bon, d'accord, Gérard. Non. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, j'essaye, un moment. Ah, oh, mais j'y arrive bientôt, de ça. Ça, c'est tout. Ça y est. Bon, on pédale maintenant, on pédale. C'est dur. Mais du rythme, quoi, du rythme. D'accord, Gérard. Des résultats, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui avec leurs résultats? Bon, et l'autre, là? T'en es où avec son tapis? Bonjour, Gérard. Salut. Salut, les filles. Oh là là, ça t'a l'air belle, et toi? Qu'est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas contente? Vous voulez des résultats, c'est ça? Des résultats? Bah oui, du muscle, quoi. Non, on vient juste faire un petit tour au bord de la piscine. Bah oui, plouf. Bah oui, c'est tout. Oh là là là. Ah bon, alors, vous n'êtes pas comme tous ces cinglés? Mais de quoi tu parles, Gérard? Non, excusez-moi, les filles, mais je suis très énervé. Je sais pas ce qu'ils ont tous ce matin à me prendre la tête. Non, mais ça fait des mois qu'ils font n'importe quoi. Et puis maintenant, il leur faut des résultats. Non, mais vous rendez compte, et toujours sans rien faire. Mais qui veut des résultats? Mais tous. Madame Bellefeuille. Même Marc, les muscles qui se voient, vous vous rendez compte, vous voyez le tableau. Tu veux dire que Marc veut faire du sport? Enfin, je veux dire, vraiment? Ben oui, ça lui a pris comme ça tout d'un coup, allez savoir pourquoi. Bon, puis ça vous fait rire, bien sûr. Mais on sait pourquoi. C'est à cause de nous. Ah bon? Oui, il nous a vu feuilleter des magazines où il y avait des hommes pleins de muscles. Alors il a dû en déduire qu'on aimait ça. C'est agréable, un homme qui veut vous faire plaisir. C'est vrai. Même si c'est Marc, c'est agréable. Ok. Tant mieux. Si tout le monde se met à aimer le muscle, c'est bon pour mes affaires. Même Daniel se met à aimer ça. Comment ça, Daniel? Ben oui. Même Daniel aime le muscle. Il est venu me demander ce matin si je connaissais pas une fille super musclée à lui présenter. Daniel cherche une fille musclée? Six, sept, huit, neuf, le dixième. Voilà. Bon, bah, c'est nul. On recommence. On recommence. Il n'y a pas 40 moyens pour te muscler le ventre. T'as compris? On recommence. Bah, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Non, mais attends, tu te prends pour la Statue de la Liberté dans le port de New York en train de regarder les bateaux ou quoi? Les jambes bien tendues. Main gauche sur la hanche, mais plus fortement. Voilà. Je t'explique. Expiration dans la montée. Inspiration, je ramène. Mais t'as rien compris. Non, ça va, le Gérard. Hein. Bon, les filles. Aujourd'hui, pour moi, c'est mission impossible. Vous remusclez. Alors, du nerf. Va falloir travailler. Vous voulez des résultats, je vais vous en donner, moi. Bon, bah, allez, on y retourne. Allez, plus fort, du rythme. Du rythme, du rythme. Mais c'est que je suis fatiguée, mon Gérard. Enfin, déjà? Mais ça fait 2 heures que j'y suis. Bon, encore une petite heure et on arrête. Non! 2 jours 18. 2 jours 79. Bon, t'en es où, toi? 280. Je peux arrêter, là? Mais t'y penses pas, Marc. Rappelle-toi, Arnold dans Commando, quand il regagne la berge en ramant, torse nu, les pectoraux saillants, tout luisant, les épaules détachées. Oh, mais c'est ça qui excite les filles. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les filles que ça excite. Bon, Marc, tu m'en fais encore 20 et on arrête. Fanny, à nous. Madame Bellefeuille, plus fort sur les pédales, plus fort. Je sais, Gérard, je fais ce que je peux, mais c'est dur. Bon, Fanny, excuse-moi. Oui. Tiens. Qu'est-ce que j'en fais? Bah, tu te les mets aux chevilles. Mais j'en ai déjà aux chevilles. Je veux pas le savoir. Claire, tendue les jambes, tendue! Mais elle est tendue! Oh, sois pas de mauvaise foi! Ça y est, j'ai fini! Déjà? Non, je sais pas si c'est normal, j'arrive plus à fermer les bras. Non, bouge pas, tiens, tu vas me faire ça maintenant. Comme ça. On vient de travailler les pectoraux, maintenant faut travailler les biceps. Ben oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, Fanny. Hop! Oui, tu me suis. Mais qu'est-ce que tu me fais comme ça? Bah, écoute, je fais ce que je peux, là. Bon, je vais te montrer comment on travaille les fesses. Oui. Alors, regarde, je me mets à 4 pattes. Tu vois, les bras bien tendus, la jambe tendue. Et là, je monte. D'accord.
Je te regarde. Ouais, bah tu peux prendre de la graine. C'est parti. Oh, je peux pas, Gérard, je fais contrepoids. Faut me descendre la chambre, merci. Bon, Marc, mais t'en es où, là? Qu'est-ce que tu me fais, là? Bah, d'alter. Avec le bras droit. Et alors? C'est le bras gauche qu'il faut muscler, Marc, le bras gauche. Mais pourquoi? T'as ton permis de conduire? Oui. Bon, bah, l'été, quand il fait bien chaud, au volant de ta voiture sport, quand tu conduis, c'est le bras gauche que tu poses sur la portière. Ah, c'est ça vrai? Que les filles vont regarder, mais oui. C'est ça, un professionnel, qu'est-ce que tu veux? Allez, on y va, un petit peu du nerf, du nerf, du nerf. Un. Et deux, oui, Magali. Trois, Fanny, on y va. Quatre, Claire, on y va. Cinq. Six. Salut. Salut, ça va? Super. Pousse-toi un peu, là. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh la vache, j'ai tout donné, là. Donner quoi? Tu n'étais pas à la salle de sport? Si. Mais toi, on voit que t'y vas jamais, hein. Tu vas là-bas simplement pour draguer. Tout donner, en langage sport, ça veut dire s'épuiser, se faire mal. Ouais. Gérard, il m'a appris ça. Bah, attends. Tu veux me dire que t'as fait du sport? Enfin, vraiment? Sans arrêt depuis ce matin. Ben ça, je veux bien le croire, vu ta mine. Mais pourquoi? Enfin, tout d'un coup, comme ça. Figure-toi que j'ai appris un détail important. Magali aime les hommes musclés. D'ailleurs, il n'y a pas qu'elle. Hein. Tu les aurais vues toutes, là? Comment ça, toutes? Ben, les autres. Fanny, Claire, Magali. Elles se sont toutes mises à faire du sport. Ah bon? Ouais. Gérard m'a dit qu'elle voulait devenir musclée. Mais tu parles. Moi, j'ai compris que c'était un prétexte pour m'approcher. Ah oui, tu crois? Bah, à la salle, elle s'était collée à moi. Tu vois? Je suis sûr que je les fascine. Bah, tant mieux. C'est quand même sidérant, cette mode de muscles, tu trouves pas? Pourquoi tu dis ça? Bah, tout le monde ne parle plus que de ça. Tiens, même dans mon boulot, je dois faire une photo pour une crème solaire. Alors, l'année dernière, n'importe quelle fille un peu mignonne aurait pu le faire. Mais cette année, il faut trouver une fille musclée. Hein? Ouais. Le brief de l'agence commence par ça, tu te rends compte? Et tu l'as trouvée, ta fille musclée? Non, pas encore. Demande à Magali. Je peux te la prêter, si tu veux. Si elle continue à s'entraîner comme ça, dans quelques jours, elle sera prête. Merci, Marc. Mais je peux pas attendre. C'est si difficile que ça, trouver une fille musclée? Mais figure-toi, c'est pas évident. J'ai fait toutes les agences mannequins, rien. J'ai même demandé à Gérard s'il n'en avait pas une à me présenter, rien non plus. Je sais! Demande à Mme Bellefeuille! Elle est sur son vélo depuis en train de mouliner depuis ce matin. Maintenant, elle pourrait être à point! La jambe légère. Du style, les filles, du style. Le genou bien haut, sur la pointe des pieds, c'est plus efficace pour les mollets. What? Ma gueule, on ne traîne pas, on suit, on suit, on suit. Allez, je vous regarde. Fanny, la tête est haute. C'est un peu ça, ça. Claire, on ne ronchonne pas. Ma gueule, on se concentre un peu sur l'exercice, hein, ma chérie, on y va. Comme la gazelle éthiopienne, souvenez-vous, léger, léger, léger. Et alors? On n'est pas gazelle, peut-être? Et pas éthiopienne non plus? Vous ressemblez plutôt à un troupeau d'hippopotames à l'agonie. Prenez les filles, on y va, on y va. On lève les genoux. Mais enfin, écoute, avec tout ça au pied, c'est pas possible. Attends, tu bouges pas, Magali, je te montre. Ça va être pas compliqué de faire ça. En arrière, sans regarder. À vous. C'est parti, c'est parti. Oh ben, j'ai bien compris. Allez, sur le vélo, on y va. Oh non! Ah mais ça, je l'ai bien. Le muscle, ça ne s'achète pas. Ça se mérite. Bon, j'ai compris. Je vais aller chercher Madame Bellefeuille au sauna. Je suis à vous dans une minute. Oh, oui, prends bien ton temps, surtout. Et les filles, vous avez remarqué le type là-bas? La belle bête aux yeux verts? Tu parles, j'arrête pas de le regarder depuis tout à l'heure. Tu vois, Magali, il a tout ce qu'il faut pour les magazines de muscles, lui. Ouais, c'est vrai, il est pas mal. Bah, Claire, t'es sensible aux muscles, toi, maintenant? Bah, ça dépend lesquels.
Bon, Gérard a dit sur les vélos, alors sur le vélo. Oh, elle est folle. Elle fera mieux de profiter, il n'est pas là. Regarde, elle nous a encore pris de vitesse. Oh, la garce. Dites donc, les filles, le vélo. Allez, va tout de suite. On y va, on y va. Salut, Gérard. Ah, Marc. Oui. T'as vu l'heure? T'es en retard? Ah, ça, on n'y arrivera jamais, hein, comme ça. C'est qui, le monstre, là? Mais t'occupes, c'est un client. Ah? Bon, allez, au travail, Marc. On peut attendre deux minutes? Je viens de descendre des escaliers, non, je suis mort. Non, 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 c'est parti. Allez, attrape la barre. Attends, là... C'est parti. Ah non, c'est vraiment pas sérieux. Plus tonique sur la pédale. Plus tonique. Pas trop dur? Non, non. Oh, bah évidemment, pour vous, c'est pas trop dur. Vous êtes super musclé. Tandis que pour moi, je peux vous dire que c'est très, très dur. D'ailleurs, à votre place, Marc, il exploserait. Hein, Marc? Évidemment. Je suis sportif, moi, pas bûcheron. Le muscle n'a pas d'existence, n'est pas accompagné par la délicatesse de l'esprit. Tiens, racine de 2 plus racine de 3, multiplié par 0 au carré, ça fait combien? Hein? Et voilà! Racine de 2, 1,414. Racine de 3, 1,732. Multiplié par 0 au carré, qui fait toujours 0, ça fait toujours 0. Voilà. Alors, poussez-vous de là que je m'y mette. Ah, non, parce que tu comprends, ça m'aide pour faire du sport. Ça ne vous dérange pas? Non, bien sûr que non. Encore du boulot, mais c'est pas mal, hein? Oh, c'est gentil. Vous savez comme ça fait plaisir quand un ami vous dit des trucs comme ça. Aïe! Oh là là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai comme courbature? Oh là 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 là, on m'en parle pas. Aouh! Oh, c'est quoi le poids de 100 kilos sur ma jambe, là? C'est mon pied! Et les filles? Aïe, aïe, aïe! On a un peu abusé. Mais non, on n'a pas abusé, c'est Gérard. Pour une fois qu'on lui a demandé de nous faire travailler, il en a profité. Oh, vous vous rendez compte? Il a eu tout peine de nous dire à tout à l'heure et qu'il fallait qu'on s'applique en plus. Moi, je sais pas ce que vous faites, mais j'y retourne pas. Ah ben, moi non plus. Ah, et moi aussi, je suis fatiguée. Ah. Mais si Daniel aime les femmes musclées, ouf, ça vaut bien le coup de faire un petit effort, non? Oh, tu veux me dire que tu veux y retourner? Eh oui, quand il faut, il faut. Oh. Et si c'est pour Daniel, ça vaut le coup. Oui, quand il faut, il faut. Allez, au liqueur pour Daniel. Bon, d'accord, j'ai compris, j'y vais aussi. Ah non, mais reste. Ah, oh, si tu veux. Oh, c'est ça. Pour que vous soyez parfaitement musclé et que moi je ressemble à une grande saucisse toute molle. Ah. Non, non, non. Moi aussi je veux garder mes chances. Ah. Oh. Hé. Hey. Les filles, regardez. Quoi? Là. Où? Bah là. Mais je vois rien. Mais comment ça tu vois rien? Bah moi non plus. Enfin les filles, vous êtes aveugles, regardez. Là. Quoi? Le petit muscle. Mais je l'avais pas tout à l'heure, j'en suis sûre. Hé, les filles, on tient le bon bout. Tu crois? Oh oui. Aïe. Hé, les filles. Ouh. Et si Daniel avait l'idée de nous inviter à danser ce soir? Oh là là. Oh là là, j'ai mal à rien d'y penser. Hé, les filles, c'est la fatigue ou vous voyez comme moi? Toi aussi, t'as un muscle visible? Là, sous la porte. C'est pas de l'eau, ça? Qui coule? Oh, bah oui, t'as raison. On dirait de l'eau. Bah, d'où ça peut venir? Faudrait peut-être qu'on aille voir. Bah, vas-y, toi. Oh là là, je peux pas. J'ai pas le courage, je peux plus faire un pas. Vas-y, toi. Oh, bah, vas-y, toi. Oh, bah, c'est que de l'eau, après tout. C'est vraiment gentil de nous accueillir comme ça chez vous. Oh, Daniel. Je vous en prie, ce n'est rien. Si, on vous avalie quand même un peu, non? Oh, mais c'est un plaisir de vous recevoir à la maison.
En plus, vous savez, ça tombe très bien parce que les enfants sont pas là ce week-end. Oui, et puis on est en super forme, on a fait du sport toute la journée. Ah, vous aussi, comme Marc. J'espère que vous n'êtes pas aussi fatigué que lui. Pourquoi tu dis ça? Je me sens très bien. Pourquoi? Mais parce que tu t'es endormi en laissant déborder la baignoire et en inondant tout l'appartement. Ça peut arriver à tout le monde, hein. C'est juste un petit coup de pompe. Ouais, mais tu vois, le résultat de ton petit coup de pompe, c'est que on doit venir encombrer nos charmantes voisines pour la nuit. Mais Daniel, vous ne nous encombrez pas du tout. Mais Daniel, c'est même un plaisir de vous avoir avec nous. C'est vrai, on n'allait pas vous laisser dormir dans cet appartement inondé. Vous êtes très gentil. Mais ne vous inquiétez pas, demain matin, on sera parti, tout devrait être sec. Oh ben, ça c'est pas sûr que ce sera sec. Oh, Marc a raison. Vous savez, l'humidité, c'est très mauvais pour les rhumatismes. Oh. Faut pas dramatiser. Même cette nuit, on aurait pu dormir à côté. Un peu d'humidité n'a jamais tué personne. Mais ici, je suis sûr qu'on dérange personne. On peut rester une petite quinzaine de jours. Mais absolument. Vous serez bien avec nous. Merci beaucoup. Voilà, mais regardez-le, notre sportif. Il a bonne mine. Tu sais, Marc, tu ne devrais pas y aller si fort. Tu es très bien comme ça, vous ne trouvez pas? Oui, oui. Je ne comprends pas cette mode de musculation. Tous ces efforts, pourquoi? Pour rien. En plus, c'est très moche. Comment ça, moche? Ah oui, enfin. Pour un homme, encore ça passe, mais pour une femme musclée, c'est vraiment pas beau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis que c'est pas beau, mais c'est la mode. Alors, il faut faire avec. Tenez, par exemple, je dois faire une photo pour une pub, pour une crème solaire. Alors, comme c'est la mode, il faut que je trouve une femme musclée. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de trouver une femme musclée et belle. Même Gérard n'en a pas trouvé une à la salle. Attendez, Daniel. Vous êtes en train de nous dire que vous avez une photo à faire avec une fille musclée, mais que vous... Personnellement, vous trouvez ça moche? Ah oui, très moche, ma main. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la mode. Ah! Merci, Daniel. Vous pouvez pas savoir à quel point vous nous soulagez. On peut vous faire la bise.